La Fédération hospitalière de France est une association qui a une centaine d'années et qui regroupe l'adhésion de 2000 établissements, donc les 1000 établissements de santé en France, établissements publics de santé en France et 1000 établissements médico-sociaux. La FHF accompagne les 2000 établissements adhérents, mais en s'engageant sur des actions particulières ou en tout cas sur des projets particuliers, notamment en ce moment, concernant la qualité de vie au travail, s'est engagé avec la HAS et l'ANACT sur le recensement de toutes les situations emblématiques de projets qui permettent d'accompagner, de développer la question de la qualité de vie au travail. Donc il s'agit en fait d'accompagner les établissements pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'est la qualité de vie au travail, mieux se préparer à l'évaluation par la certification pour remplir le compte qualité, et puis faire la promotion, le benchmarking de toutes les démarches qui pourraient être éventuellement applicables à plusieurs établissements sur cette question-là. Au niveau de la FHF, on accompagne régulièrement des établissements sur des projets plus locaux, des initiatives locales en tout cas qui peuvent être portées. Et notamment là, ce que je pourrais vous citer, c'est la remise du dernier trophée qualité de vie au travail qui a été remis la semaine dernière aux rencontres RH et qui récompense notamment un établissement qui a créé un dispositif d'accueil des enfants en fait, qui est fait avec des personnels en retour à l'emploi. On a beaucoup plus d'exemples en ce moment sur le maintien à l'emploi de la femme enceinte, sur la question de la pénibilité aussi au travail et sur l'accompagnement des personnes en situation plus difficile ou tant sur la question du maintien à l'emploi ou d'accompagnement plus progressif vers des parcours professionnalisants.